le management conseil, une option pour la réussite des entreprises qui tabon sadiron en diwan al matbu'at al jami'iyya li katibih al ustad Rajouj al Hadi al mu'allif mutahassil ala shahada 'ulya fi al management min al madrasa al mutaaddida al taqniyat bi Inglaterra يشغل حاليا منصب استاذ تخصص المانجمنت بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. L'idée est venue à partir de mon expérience en tant que consultant donc auprès des entreprises. Et aussi du fait que j'avais enseigné ces disciplines pendant plus d'une trentaine d'années. Alors, j'avais réalisé effectivement deux autres ouvrages avant, le management théorie et pratique, pour expliquer et aider à la maîtrise des notions de base de management. Deuxième étape, avec un deuxième ouvrage, le management stratégique, hein, l'élaboration de stratégies dans des environnements difficiles, dans des environnements incertains pour l'entreprise. Et troisième ouvrage que j'avais annoncé, c'était cet ouvrage-là, le management conseil, une option pour la réussite des entreprises. Le livre, effectivement, s'articule autour de 11 chapitres. Le premier chapitre va traiter du conseil en management avec la définition des concepts et des principes, entre autres le principe d'éthique et de déontologie de cette nouvelle profession. Le deuxième chapitre, c'est le processus du management conseil avec l'analyse des 6 principales étapes de ce processus. Le troisième chapitre concernera à ce moment-là l'élaboration de politique et de stratégie d'entreprise, comment les élaborer. Le quatrième chapitre, l'utilisation de nouveaux modèles de management. Cinquième chapitre, sixième chapitre, septième chapitre et huitième chapitre vont porter sur le conseil dans les différentes fonctions de l'entreprise ou de l'organisation. Le neuvième chapitre va porter sur les mesures de performance et les méthodes pour les améliorer, l'évaluation de la performance de l'entreprise ou de l'organisation et les différentes méthodes pour les améliorer. Le dixième chapitre sur la maîtrise de l'innovation et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et enfin, le onzième chapitre sur l'organisation et l'efficacité des bureaux conseils. Ciblé par ce livre, d'abord, c'est les praticiens de cette profession, c'est-à-dire les consultants, les experts dans ce domaine-là qui peuvent, à l'aide de cet ouvrage, améliorer l'exercice de leur profession. Le deuxième public ciblé, c'est les étudiants qui veulent se spécialiser dans ce domaine-là, parce qu'il y a aussi une option pédagogique de l'ouvrage. Et le troisième, il s'adresse aussi aux responsables, aux dirigeants, aux managers des entreprises ou des organisations qui vont comprendre justement et pouvoir suivre les missions de ces interventions extérieures. Donc pour le moment, je suis en train uniquement de travailler sur la réédition de mon premier livre en apportant les éléments nouveaux du management moderne.